Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur le 15e épisode de ma série sur Prison Architect. On continue tranquillement à construire la prison parfaite, enfin parfaite entre guillemets, hein, j'aurais tendance à dire. Mes objectifs, on se rapproche doucement, enfin de mes objectifs. J'avais mis, je voulais avoir 200 prisonniers. Pour l'instant, j'en ai que 143. Mais bon, il suffit de construire encore quelques blocs et puis ça va aller. Aucune évasion, bah pour l'instant on est bon. Par contre, aucun mort, ça, c'est, j'ai pas réussi, parce que j'ai déjà eu plusieurs morts. Et enfin, il faudrait aussi que j'ai un prisonnier légendaire, donc on essaiera de faire ça. Mais bon, ça c'est par rapport à la chance, hein, c'est aléatoire. Donc on verra comment ça se passe. Ici, du coup, on va continuer tout ça. Je bloque une porte ouverte, là ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Taille minimale 6 par 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, d'accord, ok. Donc là, il faudrait que je décale mon mur. Donc on va le supprimer et le reconstruire à côté. Hop, voilà. Comme ça on fera 6 par 6. Et ce sera bon. Lui il peut pas rentrer. Nickel. Est-ce que là ils sont... Ouais d'accord, lui est censé être comme ça. Bon, toi, vas-y, je peux ouvrir la porte à chaque fois. Hein. On va peut-être faire... Est-ce que j'ai des chiens de disponibles? C'est où déjà? Déploiement. Pas de trou de chiens. Est-ce que si je mets un chien là, il va venir? Il a pas trop envie de venir. Hein. Ah si, ça y est. Voilà. Nickel. Ensuite, du coup, les téléphones, j'avais tout câblé, il me semble. Hein. Ça, j'avais fait. Qu'est-ce qu'ils nous font, eux? Ouais. Donc je disais, donc les téléphones, ils sont câblés. Vas-y, finis ça, man. Comme ça, on peut passer à autre chose. Ok, voilà, ça c'est la chapelle. Donc là, la chapelle, elle est bonne. Ouais, donc on va déjà programmer le nombre d'arrivées pour la prochaine fois. Alors du coup, je peux me prendre... Donc j'avais regardé un petit peu, donc je peux prendre une quinzaine de normaux plus 5 sécurité max. Donc on va se mettre comme ça. Donc ça fait en tout 20. 20 personnes. Et j'en veux. Du coup j'ai dit 5. Donc on voit ici le nombre. Et je vais jouer avec le slider ici pour avoir le nombre que je veux exactement. Voilà, 15 et 5. Ça me fera 12 500 $. Donc moi ça me va très bien tout ça. Je sais plus ce que je voulais faire maintenant. Ouais, ça c'est bloqué ouvert. On va la mettre en normal. Celle-là, on la laisse bloquée ouverte, c'est bon. Le chien, il se promène un petit peu partout, ouais. Ok. Bon, bah, c'est bien. Du coup, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bah, encore des nouvelles cellules. Encore et toujours. Il faut toujours faire plus de cellules. Parce qu'il faut réussir l'objectif des 200 cellules. Après, je voudrais faire un système de sas. Alors, on va peut-être d'abord faire les cellules et ensuite on fera les sas. Donc là, on a mis ça. Je vais la construire là. Ici, on va se remettre une porte. Ah, je crois que je me trouve de trucs. Porte pour le personnel. Je la rotate. Voilà. Je pose. Du coup, l'arbre, on pourra le démonter. Et on va donc recréer un bloc de cellules ici. Du coup c'était par 13. Mais du coup comme j'ai un truc en moins ça fera par 12 je crois. Comme le mur à droite il est déjà construit. Là j'ai 13 à partir du mur et là j'aurai 13 aussi. Ouais, ok. Ensuite on va placer un objet, une porte, on va la mettre au milieu comme d'habitude. On pensera à faire venir l'eau et l'électricité. Jusqu'au milieu, ça doit être là. Ouais, c'est là. Comme ça. Ensuite, gros tuyau. Il vient là, gros tuyau. Pourquoi tu peux pas? Si tu peux. L'arme, tu me le démontes.
Ah ouais, je voulais restreindre l'accès ici. Du coup, j'offre que je câble les caméras. Donc, je vais d'abord poser un truc à caméra. Comment ça s'appelle? CCTV machin. Je le tourne. On va le mettre ici en face de lui. On peut le claquer là, ouais. Hop, on en met un là. Allez, construisez-moi ça. Ici, on va remettre du barbelé. Est-ce que j'ai besoin de faire une fouille? Du stupéfiant, ouais, bon. Est-ce que au niveau du programme, j'ai mis le truc anti-stupéfiant, justement? Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Hygiène sécurité, ouais. Religieux. Alcoolique anime, toxicologie, ouais, d'accord. Et le truc pour les tasers? Formation générale, la personne qui voudra y aller. Hein. Il faut d'abord qu'il fasse le truc débutant. Il y en a 13 qui ont réussi. Mais bon, ils veulent pas. Et si je le force et je dis, bah vas-y, fais-le quand même. Il est où? Aucun formateur, quoi. Mais j'ai pas demandé ça, hein. Formation débutant. Et général. Ah ouais d'accord, il n'y a personne qui veut. Ah ils m'ont installé mes lumières. Oui. Ah fait chier. Hop, allez-y, passez les gars. Par contre tu me mets... j'ai personne qui se promène là aussi, j'ai un gars qui se promène. Toi tu viens là. Merde, et toi... Toi, viens ici. Toi, tu viens là. Toi, tu me construis ça. Voilà. Bon, bah, du coup, mes lampes, ça me va pas, moi, tout ça. C'est chiant. Hein. Oh, allez, on va les laisser comme ça. Hein. Ça va faire perdre du temps pour rien. Hop, j'annule ce que je fais. Ok. Là, il me construit ça. Du coup, tu peux me faire sauter derrière. Hop, la porte, tu me la démontes. Et on va reconstruire, du coup, ben, nos cellules. On va les dupliquer, on va pas s'embêter. Tac, tac, tac. Ouais, faut surveiller les stuns aussi à chaque fois. Voilà. On enlève les salles. Les salles. Ouais. Ouais, on va attendre que ce soit construit. Hop, on enlève les salles. Du coup, ils construisent toujours, ouais. On va dire que c'est un bâtiment ouvert. Comme ça, les portes droites sont ouvertes. Il fait du dodo. Ok, ça marche bien. Alors, que je réfléchisse un petit peu. Là, il n'y a personne devant. Moniteur CCTV. Alors, on va le relier à... Alors, à lui, voilà. Il n'y avait pas d'autres caméras qui tournaient dans le vent, là? Non? Ok. Donc ensuite, je voudrais mettre une caméra ici. Mettre une là. Une là.
une là. Une dans les douches. C'est ce que j'aime bien. Voilà. Une dans le sas. Ouais, c'est peut-être pas utile. On va en mettre une là dans le dans la salle commune. Une là, et puis j'aimerais bien en mettre une. J'ai bien voulu voir ici ce qui se passe. Et comme le chemin n'est pas très large. Bon, on va mettre comme ça. Pourquoi j'ai personne au déploiement? Ma patrouille. La patrouille, elle est là. C'est quoi? Lui, tu surveilles que là. Hop, on remet quelqu'un. Ça va regarder un petit peu. Ensuite, il fait quoi? Il retombe dans la cellule. Donc non, bah lui, du coup, il peut faire un peu ce qu'il veut. On va lui dire qu'il peut aller se promener. Vas-y, t'as un peu de temps libre. T'as du temps libre. Tu peux aller à la cantoche. Tu peux aller dans la cour. Ensuite, bah vas-y, hein, t'as plein de temps libre. Hein. Amuse-toi. Voilà, cantine. Tiens, t'as 2 heures de cantine. 2 heures de cours. Du coup, je peux mettre en même temps que les autres, parce qu'on s'en fout, comme il y a sa zone pour lui tout seul. C'est ça, hein, j'ai bien paramétré. Ouais, et chapelle, c'est pour lui aussi. Là, ici, t'as pas le droit. Donc dans la cour, on va lui mettre quelques objets pour s'amuser. 4, on va lui mettre... Ah bah c'est tout, hein. On va lui mettre que ça, il se démerde. Ouais. Ok, il regarde la télé, vas-y amuse-toi man. Allez, on a gagné 12 500 $, on va regarder qui est-ce qui nous arrive. On va fermer ça. Alors, un résistant et 3 qu'on sait pas. Ok. Et là, on sait rien du tout. Et là... Ah, un dénonciateur. Bah lui, il faut que... On va le mettre... En plus, c'est un sécurité max, normalement. On va le mettre sous surveillance, du coup. Voilà. Comme quoi, c'est utile d'aller regarder ça, hein. Alors, il y a tout qui bouge là, contrôleur. Je regarde un petit peu voir ce que je vois, si je vois pas des choses intéressantes. Non, ok. Alors, les caméras sont posées, on va pouvoir les câbler. Alors, ici j'en ai combien? J'en ai déjà 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Bon bah voilà, j'ai pas fait exprès mais je suis tout pile. Là on voit pas parce qu'il n'y a pas de lampe. Une là et une là. Ensuite ici, ce sera pour les max et super max. Donc pareil, je vais refaire un couloir. Ouais, bah j'ai même envie de faire comme ça, je vais l'entourer de trucs en briques. Là, ils arriveront pas à le faire. Ils arriveront pas à le faire, ce côté-là. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas de porte? Si je leur mets une porte, ils vont pouvoir le faire. Hop, tiens, une porte. Et je leur demanderai de le faire après. Ensuite, ici, on va leur demander aussi de faire
Donc on va mettre le couloir, donc. Voilà. On va se mettre ici une porte à accès réglementé aussi, je pense. En fait, on va clôturer tout ça. Tac et tac. En fait, pour essayer de restreindre les sécurités maximum, en fait, ils pourront pas passer comme ils veulent. Là, ici, on va faire. Parce que là, ils vont pouvoir passer là. Ouais, faut que je réfléchisse encore un peu en même temps. Là, pourquoi ils n'y arrivent pas? Mais si, tu y arriveras. Tiens, regarde, je te mets un ouvrier là. Vas-y, toi, lui, il saura le faire. Donc là, je mets des portes à la con parce qu'on s'en fout en fait. Hop, hop. Voilà. On le rester ouvert, c'est juste pour faire un sas. Voilà, il va placer la porte, lui il peut passer là. Du coup, tiens, vas-y, t'as qu'à me construire aussi du mur là. Puis là aussi, tiens, je voulais là. Ça me plaît bien. Non, je suis dans le déploiement. Est-ce que j'ai gagné une salle? J'ai pas gagné une salle. Merde, c'est pas ça que je veux faire. Déploiement, j'ai dit. Voilà. Là pour cela. Et ensuite, donc déploiement. Et là pour les super max. Voilà, donc là, il n'y a que eux qui peuvent passer. Ensuite, ici, il va falloir que je gère pour qu'il n'y ait que les oranges qui aillent, qui puissent y aller. Et je me demande, en fait, ça va peut-être faut faire assez. On va leur remettre des bancs de muscu. Voilà. Admettons, on fait ça comme ça. Ici, toutes les portes, on va les laisser ouvertes. C'est juste pour dire. Voilà. Merde, eux ils y vont. Reviens-le, toi. Attends, tiens, viens m'emmerder. Oh le beau. Le gars y est passé là? Ouais, ok. Hop, on ferme. Là, il n'y a pas d'eau. Parce qu'il n'y a pas. C'est un vrai, il n'y a pas de tuyau. Là, tu mets de l'eau. Là aussi. Voilà. Notre sas ici. Il est fait du coup que j'avais dit. Faut que je crée un sas là. Donc là, on a les risques élevés. Faudrait que je les. Faudrait que je refasse un sas ici, en fait. Là, on va mettre un truc là. Un là. Bah la lampe, elle va dégager, je crois. Hein. Lampe, dégage. Et du coup, ben, on va pouvoir construire un bout de mur. Là et là. Comme ça, on va les cloisonner. Tu sais quoi, en fait, je vais tout fermer. Hop, voilà. On va mettre partout. De toute façon, c'est bien aussi, ça. Et ici, il faudra que je mette, faudra que je ferme aussi. Hop, voilà. Comme ça, ils pourront pas s'évader. Voilà, comme ça. On va faire ça comme ça. Ici, c'est pareil, on va ouvrir et fermer quand il faut. Salle de sécurité, ouais. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Hein. Là, on va les fermer plus tard aussi. Voilà. Bon, faut que j'arrive à faire mon système là. Ouais, donc là ils sont arrivés, donc je peux fermer les admissions parce que là je suis pas prêt à en recevoir d'autres. Faut que j'arrive à faire ça.
Comment est-ce que je peux faire? Alors j'avais pensé, soit je mets une porte ici, et en fait ils passeront par là, ils seront obligés de faire tout le tour, et je restreins la zone au orange, ce qui serait plus simple, ou sinon faut que je fasse deux cours. Et j'autorise seulement les zones, il faudrait que je clôture aussi si je fais ça. Donc ça risque de pas le faire. Alors je pense que le plus simple ce sera de mettre une porte là. Ça me plaît pas trop de faire comme ça, mais bon. Allez, on fait ça comme ça. Comme ça, ben ouais, comme ça, après ici, je peux restreindre l'accès, et puis voilà, en fait. Alors ils m'ont mis l'eau, c'est en train d'être fait, ok. On va déclarer les cellules. Salle, cellule. Voilà, ça en fait tout plein. Et voilà, 10 et 20. Donc quand il y aura de l'eau, bah, ça va être fait. Là aussi, cette mission-là, bah, ça avance très lentement. Les lits supérieurs, bah, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils travaillent en fait. Je sais pas, bah, ils posent des trucs, bon. Je sais pas en fait. C'est pas super quoi. Ensuite. Ah ouais, bah fallait que je fasse mes sas alors, mes sas d'accès. Donc c'est là que ça va coûter un petit peu de sous. Parce qu'on va mettre de la porte blindée pour faire ça. On va d'abord mettre les cerveaux. Alors, un cerveau là. Là. Voilà, comme ça, je crois qu'il y en a un ici aussi, ouais. Ensuite, quand je la mets verticale, ça s'ouvre par au-dessus, donc on va la mettre là, ici. Là, ensuite, où est-ce qu'il y en a encore? Là. Ok. Bah après, il faut repenser à mettre de l'électricité sur tout ça. Pour que ça se voit mieux, je vais attendre que ce soit posé. Bah, l'électricité là ici, c'est bon, ce sera passé. Là, il y a pas de, y a rien mis, j'ai rien mis, non. Ok. Ensuite, là, l'électricité. Là, il y en a aussi. Ce sera une grande porte. Là, il y en a pas. Alors, bon, on en met. Ensuite, là, ici, il n'y en aura pas. Hop, on en met. Là, on en met aussi. Là, ici, c'est bon. Et là. Voilà. Normalement, le câblage électrique, il sera bon. Ici, ils m'ont posé du coup ma porte. Je peux la bloquer ouverte. Ah, c'est quoi le clon? Ah ouais, ça va être sûrement le bruit du cerveau. Voilà, donc là, ils peuvent passer. Et bah, je vais essayer, on va essayer, on va interdire, on va essayer, on va dire que c'est que les oranges qui peuvent passer par là. Que les oranges, et du coup, les rouges après, ils doivent aller là. J'ai pas déclaré aussi, hein, je crois, la cour. J'en suis plus sûr. Voilà. La cour, c'est bon, là on a une autre cour. Ouais, bah voilà. Je pense que ça se fait comme ça. Alors, ils m'ont posé mes cerveaux là ou pas? Ouais, ce qui est con, c'est qu'eux, ils viennent là. Hein. Commence à avoir des armes, faudrait que je fasse une fouille. Instable. Alors, est-ce qu'on a du quelqu'un qu'il faudrait protéger? Insta courageux rapide. Instigateur, voilà. Lui, il faut le protéger. Non, c'est pas ça, c'est un bordeleur, lui. À chaque fois, je me gourre. Un bordeleur, bah le bordeleur il va aller en sécurité max et puis c'est tout. Hein. Voilà. Bagarreur expérimenté, il va aller en max aussi.
Ça qui est bien, on définit nous-mêmes qui doit aller à quel endroit. Ok. Voilà. Alors. Bon, ça commence à prendre forme tout ça, hein. Voilà, donc au total, j'ai 208 cellules, faut que j'arrive à mettre quelqu'un dans tout le monde. En sachant que mes 8 dernières cellules, c'est pour ici. Donc il y en a déjà 2 de prise. Donc il y en aura 6 qui ne seront pas utilisées, donc il m'en restera 202. Donc si j'arrive à mettre quelqu'un dans chacune des cellules, et ben voilà, l'objectif sera réalisé. Hop, on va dire que ça c'est pour eux. Il n'y a pas de lampe. Genre comme ça, hop, voilà. Qu'est-ce que je voulais mettre? Un détecteur de métaux qu'on peut mettre ici. On va les recontrôler encore une fois. Hein. Du coup, l'électricité, bah c'est bon. Là, ça s'installe. Alors, on va mettre les portes. Du coup, hein. Donc j'avais dit des portes blindées. Et là j'ai pas, j'ai rien mis là. Là. Voilà. Et en vertical, donc là il faudrait que j'en mette une grande. Grande porte, ici il faut en mettre une grande. Là aussi. Et là je sais plus, j'en ai mis une petite. Installe soleil derrière, c'est bon. Voilà, je crois que le cloisonnement il commence à se faire comme il faut. Pour l'instant, on va les bloquer ouvertes. À moins que. Bah non, bah là, du coup, je peux déjà la câbler. Comme c'est déjà fait. CCTV, commande de porte. Alors, vas-y, toi, tu peux ouvrir ça. Alors, par contre, plus on en. En fait, ils peuvent en ouvrir que 2 par seconde, des portes. Alors. Après, ce serait peut-être bien que j'en mette, que je mette une double commande en fait. Ah, là, il n'y en a pas. Ah, le cerveau, il n'est pas encore posé, ok. Là, le cerveau, il est déjà posé. Tchac. Ça commence à être une belle prison, hein. Toi, tu m'installes mon cerveau, t'as posé celui-là, ok. Alors, je te le capte tout de suite. Là, il y a la porte. Le cerveau n'est pas encore posé. Après, j'aurais pu faire ça avec une horloge, en fait. Hein. Ça aurait peut-être été mieux que je fasse comme ça. Hein. Allez, accélère le temps un peu. Installe-moi mon truc. Et voilà. Donc voilà comment ça se présente maintenant. J'ai toutes des portes d'accès sécurisées. Par contre, ce sera encore ici. Il faut que je change encore ici. Un petit peu. Parce que là, je voudrais qu'il y ait que les détenus. En fait, je veux pas que les oranges ils se baladent en bas. Donc on va remettre des sas en fait. Hein. Il y a que le sas qui marche. Hein. Alors je me dépêche, je fais ça vite fait. Hop, on va en mettre un là. Et on va en remettre. Ah ouais, mais là, ici, il y a la bibliothèque. Donc, ils peuvent y aller. Donc, je vais pas remettre de sas. Ouais. Pas mettre de sas. Et ici, bah non, bah, je vais laisser comme ça, en fait. Hein. Donc, ça sert à rien, en fait, ce que je fais. Parce qu'ils peuvent, ils pourront passer par l'autre côté. Donc, tant pis, je vais laisser comme ça. Ouais, bon, ça sera comme ça, alors. Alors, est-ce que ça marche bien? Ça a l'air de bien aller, quand même, ouais. Bon, moi, ça me plaît. Ok, bon, bah, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a, du coup, on peut accueillir des personnes, mais on peut pas, on peut toujours pas accueillir des risques maximum.
On va réduire le temps un petit peu parce que là au niveau du déploiement, j'ai plus de cellules pour des risques élevés. Et si je veux avoir un prisonnier légendaire, il faut que j'ai des risques élevés. Alors ça m'embête un petit peu. 120. Et maintenant si je remets ça pour les zones, les sécurités max, ça fait que je me retrouve. Ok, bah j'ai toujours assez de cellules. Au niveau des gardiens, on va mettre un là. Dans les patrouilles, on va créer la patrouille là. Hop, j'essaie d'aller faire ça vite. Après l'épisode va dépasser le temps que je me donne. Je voudrais juste finir ça. Merde. Hop. Alors, on met un chien. Voilà, du coup ici on va remettre une patrouille armée. Voilà. Donc on peut accueillir du monde. On peut accueillir donc sécurité max. Là, je peux en prendre 20. Alors admission, on en prend 20. Là, ici on met 0. Et voilà. Comme ça, les 20 ils vont arriver au prochain épisode. On met pause. Donc voilà, donc ben, sur ce, je vous dis à très vite pour le prochain épisode sur Prison Architect. D'ici là, laissez-moi des commentaires, abonnez-vous et cliquez sur j'aime. Et puis on se retrouve très vite. À bientôt!